vous allez bien? Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 2 février. Nous sommes rentrés dans un nouveau mois. On est toujours dans la saison d'hiver. Très bien. La saison d'hiver dure combien de mois? 3 mois. Très bien. Elle commence par le mois de janvier. Bravo. Et elle se termine par le mois de mars. Très bien. Alors, on va faire une séance de lecture. Avant de commencer, d'habitude, devant chaque son, on trouve deux mots utiles. Les mots qu'il faut les prononcer par cœur. Très bien. Le premier mot outil, c'est le mot C. J'ai écrit ici le S. C'est parce que ça se prononce pas. Et juste au-dessus du mot, j'ai écrit le code. Le E ici, on le prononce E. Alors, S, E, ça se prononce C. Très bien. Et le deuxième mot, ça se prononce son. Son, comme dans le mot bon, bon. Et le T, ça se prononce pas. C'est une lettre muette. Très bien. On commence. Ré, mi, a, il, mé, sé, za, mi. Je répète. Ré, mi, a, il, mé, sé, za, mi. Alors, le début de la phrase ici, c'est en vert. Pourquoi? Parce que c'est la majuscule. Et la phrase, elle se termine par un point. Très bien. On va passer à la deuxième phrase. Le lama et la mule sont affamés. Je répète. Le lama et la mule sont affamés. Alors, pour dire quoi le mot affamé veut dire ils souffrent de faim. Très bien. Très bien les enfants, maintenant on va lire l'histoire de tapis ensemble. La consigne dit lis l'histoire de Taoki. Il y a une momie dans la salle. Taoki mime la momie. Ça veut dire quoi le mot mime? Ça veut dire imite la momie. Il fait comme la momie. Ses amis sont morts de rire. Très bien. Très bien les enfants, c'est suffisant pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas bien compris la leçon, vous laissez des commentaires en dessous de la vidéo. On va se voir le dimanche prochain. Prenez soin de vous et vos proches et restez à la maison.